Bonjour à tous, c'est Jody Dream. C'est bien, me voici avec un nouveau gameplay un peu spécial. Ça sera un gameplay spécial astuce. Mais d'abord, je vais commencer ce gameplay par dire certaines choses, en fait, pour être sûr que tout le monde comprenne, que tout le monde voit, enfin voilà. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé très récemment. L'un d'entre vous sur YouTube a eu la chance de faire une fille avec moi. Parce qu'en fait, cette personne a fait une wifi avec Yuk Sakuraba, qui est ma meilleure amie. Cette personne se reconnaîtra. Je suis désolée d'utiliser cette, de t'utiliser un exemple, parce que les wifi qu'on a fait ensemble, c'était vraiment un plaisir. Mais bon, je préfère quand même être jusque-là, parce que ben, je suis quelqu'un de franc, et pour moi, la franchise fait partie des... comment dire... du respect. Donc voilà. J'aimerais bien que les gens qui suivent cette chaîne sachent un truc, je suis pas un dieu, je suis pas une star, je suis juste une fille de 25 ans actuellement qui fait des vidéos parce que ça lui plaît. Donc c'est juste ça. Et parfois j'en ai qui ont des réactions mais totalement disproportionnées. J'ai eu dans mes messages sur mon blog genre « Oui, mais on est trop pareil, toi et moi, j'ai l'impression d'être comme toi. » Enfin voilà, des trucs mais de groupies, mais... C'est pas méchamment que je vais dire ça, mais à un moment, les gars, faut arrêter parce que je suis un être humain comme tout le monde. Je fais pipi caca comme tout le monde, parlez même trop que vous. Les gars, à un moment, désolé pour cet exemple un peu, voilà, un peu tordu, mais à un moment, faut clairement arrêter parce que parfois, donc cette personne avec qui j'ai fait la wifi, ben, je l'ai rajoutée en meilleure amie pour pouvoir parler un peu avec elle, pour qu'elle me demande tranquillou s'il faut des wifi et tout. J'ai bien précisé sur mon blog, mon ancien blog Animal Crossing, que je ne voulais pas qu'on me demande tout le temps pour faire des filles parce que ben, j'ai quand même pas mal de meilleurs amis. Et puis il y a des personnes qui ont priorité sur d'autres pour les wifi. Et le truc qu'il y a, c'est que cette personne m'a demandé quand même pas assez souvent, mais voilà. Enfin, elle était trop envahissante, voilà. Et donc du coup, ben, les gens comme ça m'énerve. Je sais bien que vous n'y pouvez rien. Je sais bien que cette personne-là n'a pas fait ça méchamment, je ne l'en veux pas. Mais moi, c'est... Moi et ce jeu de personnes, c'est juste pas compatible. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien sa liberté. C'est d'ailleurs cette fois que je fais des vidéos, des gameplays, quand j'en ai le temps et l'envie, surtout l'envie. Parce que ben, c'est vrai que je peux avoir des choses à dire, mais que j'ai pas spécialement envie de faire un gameplay. Parce que ce jour, j'ai pas spécialement envie de parler. Parce que j'ai une vie sur le côté, que j'ai des... on a tous notre vie, tous nos soucis à gérer. Et parfois, on n'a pas toujours envie de rigoler, pas toujours envie, enfin voilà. Donc j'aimerais bien que les gens comprennent ça. Donc, quand je vois tous les gens qui me demandent des wifi, c'est super gentil. Puis j'ai un super reflet, juste dans ma chambre, parce que Indara joue à la console. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc moi, je fais des wifi qu'avec les gens que je connais, parce que, ben, d'un, pour préserver ma ville, parce que ma ville, j'y tiens. Et puis parce que, tout simplement, j'ai pas envie d'être hypocrite avec les gens, enfin voilà quoi, c'est... Je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un d'honnête, et j'aimerais bien que j'en comprenne ça. Je fais des vidéos parce que ça me plaît. Ceux qui me suivent, j'en suis super contente, je les remercie. Là maintenant, je crois que je suis à 640 abonnés, enfin, ça me touche vraiment beaucoup. Mais à un moment, enfin voilà, faut comprendre les gens et arrêter de les prendre pour ce qu'ils sont pas, et les prendre vraiment, les apprécier à leur juste valeur. Et moi, j'ai l'impression qu'on m'accorde trop d'importance. Maintenant, ben voilà, ceux qui aiment mes vidéos, bah tant mieux, ceux qui les aiment pas, bah tant pis, j'en ferai quand même toujours parce que ça me plaît, et voilà quoi. Donc ouais, je préférerais bien mettre ça au clair, prendre quelques minutes pour vous le dire. Cette jeune fille, je sais pas si je vais la garder en meilleure amie ou pas, je pense même pas que je vais la garder, enfin je suis même pas de la garder, pardon, dans mes amis sur ma toilette, parce que bon, je suis désolée d'un peu bégayer, mais cette situation m'énerve tellement, parce que quand je vois des trucs genre... j'ai reçu une lettre de cette personne qui me dit « Oh, tu m'as pas ajouté sur ton blog dans les amis. » Mais il n'y a pas que toi que j'ai pas ajouté. Il y a des amis de jeux de rôle que j'ai pas ajouté. J'ai ma belle-sœur que j'ai pas ajouté. J'ai mon beau-frère que j'ai pas ajouté. J'ai mon homme que j'ai pas ajouté. Mon homme, Dieu sait s'il est important pour moi vu que je me marie avec lui. Donc à un moment, faut arrêter parce que c'est des bêtises. Des bêtises. Et je pense qu'à certains âges, il faut un peu évoluer, un peu grandir dans sa tête. Et voilà. Je suis désolée si je suis dure, mais quand on voit toute la journée de trucs comme ça, ben, quand on a tout le temps de trucs comme ça, c'est usant. C'est vraiment usant. Je suis désolée que ça tombe sur toi, mais bon, voilà. Je préfère être franche avec toi. Donc, Yuk Sakuraba, bon, elle saura bien qui c'est. Bon, ben voilà, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai rien contre toi. Donc là, je m'adresse à moi, je ne sais qui je suis. J'ai rien contre toi, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il ne faut pas envahir les gens comme ça, avec des idées que tu te fais. Enfin, voilà, c'est pas...
voilà quoi, j'ai rien contre toi, c'est pas que je ne t'apprécie pas, c'est juste que je ne te connais pas assez que pour vraiment te considérer comme tu voudrais que je te considère. Donc voilà. Donc maintenant j'ai commencé ce gameplay comme j'avais dit que je le ferais. Donc astuce. Donc je vais préciser un truc aussi également. Mon blog, Sweetie Cute, parce que c'est le blog sur lequel je mets mes choses Animal Crossing, n'est pas un blog d'astuces. Donc si vous avez des questions à me poser, niveau astuces, vous les posez autre part. Mais pas à moi, parce que moi j'ai... Si tout le monde me fait ça, si tout le monde me pose des questions de... des demandes d'astuces, je passe ma journée à répondre et j'ai pas envie. J'ai une autre vie sur le côté et bon voilà. Donc moi ce que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, donc pas sur mon blog, dans la description de la vidéo sur YouTube, je vais vous mettre un lien vers un site qui est vraiment très bien au niveau des astuces et j'espère donc que ce site vous plaira et que vous trouverez toutes les réponses dessus. Maintenant moi je vais quand même vous donner quelques astuces supplémentaires qui ne sont pas sur ce blog et j'ai une ambulance qui passe près de ma maison, c'est pas grave, je suis désolée, j'ai oublié de fermer la fenêtre, il fait assez chaud. Donc voilà. C'est un fail. Donc voilà, par où commencer ces astuces? La ville parfaite. Tiens, comment avoir une ville parfaite? Faites votre ville un peu comme vous voulez, je vais dire. Vous devez juste équilibrer tout ce qui est naturel, donc les fleurs, les buissons, les arbres, avec vos constructions. Afin de vous aiguiller dans la conception de cette ville parfaite, vous allez parler à Marie, qui va vous dire ce qu'il faut plus ou moins. Elle va vous aider. Et donc voilà. Déjà ça. Si vous réussissez à la garder pendant 15 jours, et là si vous avez la ville parfaite, je vous conseille de ne pas toucher à vos arbres ni à vos, comment dire, à vos projets. Si vous la gardez pendant 15 jours, vous avez l'arrosoir doré. Donc c'est boum boum boum, c'est ceci. Donc arrosoir doré qui a la capacité d'arroser 9 fleurs. Pour arroser ces fleurs, donc ici là j'en ai tout plein. Là j'ai pas un carré de 9, donc là, imaginons que ici, là au carré sur lequel mon personnage se trouve, il y a une fleur, vous mettez sur la fleur du dessus au milieu et vous arrosez, là comme ça, et ça arrose donc depuis la fleur du milieu au dessus jusqu'ici en dessous, donc là vous voyez les petites gouttes qui perlent, voilà, donc là ça arrose 9 fleurs. Ceux qui me disent comment est-ce que je peux avoir l'arrosoir d'argent? L'arrosoir d'argent vous l'avez en achetant une 60aine de fleurs à racines. Donc, d'ailleurs je remercie Faustine pour cette astuce, je te fais des gros bisous ma belle. Donc voilà, vous achetez 60aine de fleurs à racines et au bout d'un moment je pense qu'il vous donne l'arrosoir d'argent ou bien il vous le propose en vente, je sais pas comment parce que moi je l'ai pas eu, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre comme astuce? Oui, pour avoir le second étage du musée, ce sera totalement à l'arrache. S'il manque des astuces, vous posez limite des questions en dessous de la vidéo, pas sur le blog, mais sur YouTube, et je vous répondrai là. Et donc, par contre, avant de poser votre question, regardez si quelqu'un d'autre ne l'a pas déjà posé pour ne pas... parce que si on l'a déjà posé, ou bien si votre réponse est dans la vidéo, je vous répondrai tout simplement pas, parce que j'ai pas passé mon temps à répondre à tout le monde à des doublons, donc voilà. Comment avoir le deuxième étage du musée? Donc, simple petite question, petite astuce plutôt. Vous devez avoir mis dans chaque section du musée au moins un objet. Enfin, mais avoir au total, je pense, si je ne me trompe pas, si je me trompe, j'aimerais que quelqu'un me corrige dans les commentaires, 20 objets au total. Au bout d'un moment, vous verrez Thibaut qui va réfléchir et qui va vous proposer ça, qui va vous dire « Oh, le musée n'est pas assez visité, nous avons ce second étage à rénover, tchac, tchac, tchac. » Et alors là, il va vous proposer ça dans les projets. Au bout d'une semaine, donc quand vous aurez, une fois que votre musée, donc que votre étage du musée sera construit, une semaine après, vous reverrez Thibaut qui sera en train de réfléchir, et à ce moment-là, il vous proposera de débloquer le café avec Robusto. Donc voilà, c'est comme ça qu'on débloque le café. Dès que vous avez eu le deuxième étage, l'étage du musée, Thibaut vous demande de construire le café. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Au niveau du café, tiens, comment ça se passe? Au niveau du café, je suis désolée si je fais des astuces que certains connaissent déjà, mais bon, voilà, y a des gens qui ne savent pas forcément, donc voilà, j'en dis un petit peu pour tout le monde. Au niveau du café, vous devez... travailler pour Robusto, vous devez déjà, je crois, je suis désolée si je me trompe du nombre, n'hésitez pas à me corriger si je dis une erreur dans la vidéo, faut vraiment pas hésiter, je le prendrai pas mal. Mais qu'est-ce que tu veux toi?
Elle veut que je donne une puce. Ok. Pour débloquer le fait de travailler chez Robusto, je crois que vous devez avoir déjà bu, je crois que c'est entre 3 et 5 cafés à emporter. Pour débloquer les cafés à emporter, vous devez avoir bu entre 3 et 5 cafés sur place. Donc assis au comptoir. Enfin, voilà, j'espère que ça a été clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh, il y a des projets aussi qui se débloquent avec la ville parfaite. Tout à l'heure que je parlais de la ville parfaite, il y a les projets de la mairie, donc mairie moderne, mairie traditionnelle un peu japonaise et la mairie un peu féerique. Mais bien sûr, si vous avez fait la mairie féerique comme moi, vous pouvez très bien reprendre le projet de remettre votre mairie comme elle était avant. Une fois que c'est fait, voilà quoi, c'est pas perdu. L'horloge florale, c'est pareil, vous la débloquez en ayant la ville parfaite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, pour... Ah oui, tiens, tant que j'y suis, voilà mon petit panneau là que je vous avais dit que j'avais fait. Là, le voilà avec le motif en effet bois. Là, j'arrive à 13 minutes avec ma vidéo. Il faudra que je fasse ça, peut-être que je la ferai en plusieurs parties. Je vous dis tout à l'arrache en fait. Hein. Pour débloquer le son détente. Vous devez en fait revenir de l'île et quand vous revenez de l'île, je crois que c'est la première fois que vous revenez de l'île, vous avez parlé à Marie et vous la verrez, elle sera endormie. Et après on vous dira que vous pouvez faire le son détente, enfin voilà quoi. Il y a un truc comme ça du genre et ça sera dans la liste de projets là aussi. Pour faire le salon de voyance, parce qu'il y en a plein qui parlent, qui savent pas, mais il y a un salon de voyance aussi que vous pouvez débloquer. D'ailleurs je vais vous montrer où il est. Poum poum poum. Enfin, où il sera plutôt, parce que moi je l'ai pas encore. Pour débloquer le salon de voyance, donc il se trouve ici, il se trouvera ici derrière la poubelle, vous devez aller, je crois, parce que j'ai vu ça sur plusieurs, donc des infos sur plusieurs sites. J'ai vu une fois, 20 fois, vous devez vous rendre chez Astrid pour qu'elle vous fasse une séance de voyance. Et après, au bout de la 20e, ben, vous lui reparlez, elle vous proposera une salon de voyance. Maintenant, j'ai lu 200 sur un site, donc je sais pas si c'est 200 ou 20. Donc maintenant, je suppose plus que c'est 20, parce que 200, ça me paraît juste énorme. Donc voilà. Les petits projets, comme le cœur illuminé, le poste de police, qu'est-ce que je peux, le petit panneau là comme ça, l'arche florale comme j'ai. En fait, ce sont des projets que vos habitants vous proposent, comme ça quoi, la one again quoi. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de truc à faire pour qu'ils débloquent les projets. Ah oui, tiens, comme elle est ici, Cathy. Cathy, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Donc, pour ceux qui ont déjà eu Kitten Revue, mais qui n'ont jamais fait de Wi-Fi. Donc, Cathy, en fait, si vous lui parlez, donc je vais pas lui parler parce que je compte pas sur de Wi-Fi aujourd'hui, parce qu'il est quand même déjà assez tard. Donc, si vous lui parlez, elle va vous demander « Oh, j'aimerais bien que tu m'emmènes dans une ville et tout. » Donc, vous l'emmenez avec vous. Donc, lors d'une Wi-Fi, si vous allez chez quelqu'un, vous parlez à Cathy juste avant d'aller parler à Lazare, le singe. Et donc, Cathy va venir avec vous dans la ville. Vous faites tout normal, sauf que vous allez parler à Cathy avant. Et vous acceptez de l'amener avec vous. Une fois que vous serez dans la ville de votre ami, Cathy vous parlera un petit peu, va vous dire merci, tchic-tchac, voilà, vous remercie de l'avoir emmené. Le lendemain matin, vous allez débloquer un objet. Pas débloquer, mais Cathy va vous envoyer un cadeau. Je vais vous montrer le genre de cadeau qu'elle m'a offert. D'ailleurs, qu'elle m'a offert une carte du monde et je crois que je l'ai vendue comme une abrutie. Oh mince, j'ai un gros doute. C'est celle ou c'est l'hiver qui m'a donné. Bon, j'ai quand même un cadeau que Cathy m'a offert, mais elle me l'a offert en double, donc l'autre je l'ai revendu parce que, voilà. Elle m'a offert, poum poum poum, là faut que je tourne la caméra, il faut que je tourne ma pièce. Le petit cadre juste ici devant ma perso, qui se trouve sur la table. C'est un petit cadre numérique, qui change donc d'image, donc voilà. Gulliver, tiens, donc je parle de Gulliver. Donc Gulliver, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de pélican que vous retrouvez sur votre plage, totalement assoupi, un peu de mort déchirée. Donc en gros, Gulliver, en fait, je pense, j'espère que je ne me trompe pas, si je me trompe, comme je vous ai déjà dit, corrigez-moi. Gulliver apparaît de façon relativement aléatoire, mais j'ai remarqué que c'était assez souvent le soir qu'il apparaissait. Non, c'est par expérience que je dis ça. J'ai remarqué qu'il apparaissait plus souvent le soir. D'ailleurs, on est justement le soir. Donc, sait-on jamais qu'il serait là. On va aller voir un petit coup.
Poum 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 poum, Gulliver, es-tu là? Il est souvent par ici en fait quand il est là. Poum poum poum, allez, Gulliver, es-tu là? À mon avis, non, hein. Ça serait trop beau qu'il soit là pour la vidéo. Bah bon voilà, bah il est pas là parce que généralement je crois qu'il est sur les pans de plage horizontaux et pas verticaux. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, ça, les fruits, vous savez. Ah oui, c'était juste pour les bambous et les kakis. Les bambous et les kakis, comment est-ce qu'on a ces fruits? Enfin, bambou, c'est pas vraiment un fruit, mais bon. Le bambou, en fait, vous le recevez en cadeau. Moi, j'en ai reçu dans la lettre d'une de mes habitantes. Donc, je suis très amie avec mon habitante Caro, qui est un petit canard, qui est tout mignon, tout kawaii. Et donc, elle m'envoie une lettre avec une pousse de bambou dedans. Donc, quand vous plantez du bambou, tous les X, je crois que c'est tous les 2-3 jours, vous avez voilà, des petites fissures comme moi j'ai ici, dedans vous avez une pousse de bambou. Et donc vous prenez ces pousses de bambou, vous replantez, enfin voilà. Moi j'en ai eu 3 de la part d'une amie d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est. Je suis désolée d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, j'aimerais que tu me dises donc sur mon blog sweetie-cute.com que tu me redonnes ton blog pour que je puisse te mettre un petit lien de remerciement parce que j'ai vraiment oublié ton. Je crois que je vois ton pseudo mais je vois plus ton blog, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Je pense que les kakis c'est pareil. Souvent les gens me disent ouais c'est l'histoire qui l'a donné donc voilà. Je pense que c'est pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les hybrides, ça je mettrai un lien dans tout ce que je vous dis là. D'ailleurs, oui j'ai fait un petit parquet hybride, je vous l'avais montré ou pas, je ne sais plus. J'ai un cadeau qui passe dans le ciel. Ah oui tiens, aussi tiens, tant que j'y suis, qui a un cadeau, mais je pensais brave petit. Où est-ce qu'il est? Pour les cadeaux, comment ça se passe? Donc, avec les cadeaux, pour la collection ballon. Là, ça sera un meuble parce que il est emballé. Mais sinon, au bout d'un moment, vous pourrez avoir. Je sais plus au bout de combien de cadeaux. Mettez, j'éloigne juste pour vous ouvrir mon cadeau et voir ce que j'ai dedans. Le chapeau ballon, super. Ça a changé ma life. Au bout d'un moment, vous pourrez avoir. Lance-pierre d'argent, comme ça, qui passe dans le ciel. Vous verrez, ça serait une petite boîte en argent qui se balade. Et pareil avec lance-pierre doré. Vous l'avez loupé, ce n'est pas grave. Si vous l'avez loupé une fois, vous pourrez très bien donc le revoir une autre fois. Il n'y a pas de problème. Ça, moi, la première fois que j'ai vu lance-pierre doré, je l'ai loupé la première fois. J'avais clairement les boules parce que j'avais pas mon lance-pierre sur moi. Et je l'ai quand même eu au bout d'un moment. Je sais pas, tous les combien de temps il y a un cadeau. Je sais pas si c'est à toutes les heures. Toutes les heures et 4 minutes qu'il y a un cadeau, enfin voilà quoi, c'est, enfin, toutes les heures 4 minutes, non, mais toutes les heures où la minute c'est 4, il y a une chance qu'un cadeau passe, voilà. Si c'est comme Animal Crossing Wild World, je sais pas. Poum poum poum, comment avoir tant que j'y pense, le filet papillon d'argent, la canne à pêche d'argent, j'ai un moustique qui va me piquer, c'est super. Ainsi que la pelle d'argent s'achète au musée pour 500 clochettes. Donc, quand vous avez débloqué l'étage du musée et que vous l'avez construit, vous pouvez les acheter là-bas pour 500 clochettes. Les objets en or, je crois que la canne à pêche d'or, c'est quand vous avez pêché tous les poissons du jeu. Pareil avec le filet à papillon d'or, c'est quand vous avez capturé tous les insectes du jeu. Pour la pelle, je ne sais pas vous dire, donc je dirais peut-être par logique. Si c'est comme le filet et la canne, que c'est quand vous avez eu tous les fossiles, peut-être. Voilà, je me risque à dire ça. Si c'est faux, vous me reprenez dans les commentaires, vous me corrigez, pas de problème. Et si c'est vérifiable, je mettrai votre correction sur une petite bulle qui apparaîtra sur la vidéo. Poum poum poum, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de solutions. Ah oui, les lentilles, quand vous débloquez Ginette, je sais, donc tout ce qui est au niveau des autres boutiques, de racines, racines se débloquent, je pense, environ une semaine, si je me trompe pas. J'ai avancé les jours juste une fois, mais non, c'est juste un jour parce que j'avais mal construit un truc. Donc je crois qu'au bout d'une semaine, racines s'installe chez vous. Oui, une semaine de jeu, puis après, au bout d'une autre semaine, je pense que c'est Blaise. Faudrait que je regarde les dates en fait sur de quand les choses les boutiques sont installées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, une astuce aussi qui est assez fun. Pour ceux qui tapent dans les petites pierres tous les matins pour avoir des rubis, des trucs comme ça, si vous avez 3 pépites d'or,
et 10 000 clochettes, vous les donnez à Serge, et Serge vous fait un meuble en or au hasard. J'ai pu m'en faire un, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer un de ces meubles en or. J'ai un pote qui a un paravent en or. Donc ça coûte 10 000 clochettes le meuble quand même, mais bon voilà, vous avez quand même un meuble en or, hein. C'est pas rien un meuble en or. Hein. Je suis même pas sûre que Paris Hilton a pu s'en payer. Hein. Enfin, peut-être bien. Ah oui, aussi un autre petit truc chez Serge qui est assez connu. Si vous donnez. Voilà, j'ai eu le canapé en or. Tout à fait fonctionnel, sauf que vous avez froid aux miches. Donc, si vous prenez un bénitier, je crois que c'est bénitier géant, 3000 clochettes et un disque de kéké au choix, vous prenez ce que vous voulez, vous avez la boîte à musique qui ressemble à ceci. Je veux juste que la radio, pour que vous puissiez entendre le son de la boîte à musique. Je me rapproche, voilà, donc c'est ce qui est devant moi. Ces petits coquillages un peu multicolores. Moi j'ai mis ukulélé kéké et vous avez vraiment une musique de boîte à musique. Poum poum poum. Là vous voyez donc là les objets un peu bizarroïdes que j'ai, ce sont les meubles cœur avec des rubis. Il me reste, ah il me reste moins de 4 minutes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Les meubles retouchés quand vous faites un street pass ne peuvent pas être commandés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire! Pour le déblocage de l'esthéticien, je ne sais pas. Maintenant, pour les lentilles, si vous allez, je crois, une petite dizaine de fois, vous débloquez les lentilles. Et alors, à ce moment-là, vous avez le choix, quand vous allez chez elle, les fois suivantes, de soit modifier les yeux ou les cheveux. Et j'ai quelqu'un qui veut me parler. J'espère que c'est pour un projet. Youx, regarde. Si tu regardes cette vidéo. Ok. Bon, private joke, je suis désolée les gars. Bon, voilà. Au moins, elle est contente. Je crois que je vais arrêter ce... Ah oui, aussi, comment se faire plein de fric. Vous allez sur l'île simplement, surtout le soir. Là, vous avez des scarabées et des requins. Et si vous voulez vraiment attraper les scarabées de façon optimale, vous rasez votre île. Donc, vous retirez les fleurs, vous retirez tous les arbres. Et donc, les scarabées pop, enfin, arrivent sur les... Non, tu m'expliqueras pas. Arrivent sur les... Ouais, il y a plein de... Ah, je me fais harceler par des moustiques. Bon, je crois que c'est Robusto. Les scarabées arriveront plus vite sur vos cocotiers. Et à ce moment-là, vous pouvez vous faire aller entre 300 et 500 000 en ne capturant que des gros scarabées. Donc évitez les scarabées cabuto et tout ça. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je ne pense pas... Ah oui! Si vous désirez un habitant bien spécifique dans votre ville, une astuce que ça, je pense, moi-même, et que je ferai. Donc, si vous faites un campement dans votre ville, et qu'un habitant que vous voulez arrive dedans, vous pouvez lui demander de rester. Moi, ici, là, j'ai fait un campement, donc j'attends que Rosie ou Melba arrivent dans la ville pour pouvoir lui demander de rester. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les hybrides, ça, je mettrai. Les fruits, vous connaissez, il suffit d'échanger des fruits. Pour les capacités de chaque de chaque truc, tiens, lance-pierre d'argent et tout ça. Bah écoutez, je vais couper cette vidéo ici et je vous ferai la suite. A tout de suite. Pour continuer ce gameplay spécial astuce, tout à l'heure j'avais parlé des outils en argent et d'or, mais je n'ai pas expliqué ce qu'il faisait de mieux, mis à part l'arrosoir. L'arrosoir d'argent, je crois qu'il arrose 6 fleurs d'un coup. Pour la canne à pêche, bien tout simplement, au niveau de la canne à pêche, attendez, je vais vous montrer, ce sera plus facile. En fait, pour la canne à pêche d'argent, le poisson est plus vite attiré par le bouchon, en fait. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins précis lors de votre lancer. Et donc, le poisson vient plus vite. Très bien que j'aie un petit poisson ici pour vous montrer. Hein. Bien sûr, il n'y a pas un seul fiche dans le coin. Quoi. Je m'en fiche, je veux des fiches. Il n'y en a pas.
linceuls, c'est quoi ça? Je veux dire, comme les jeunes, il me faut le seum. Non, allez, c'est une blague. C'est une blague, on a fait un seul. Oh, la farce. Allez, au moins, là, pour imaginer mon astuce, là. Ceci est un fail monumental. Bon, je vous permets de rigoler à vos écrans, y a pas de problème. Allez, au moins un, quoi. Ah, j'ai cru en voir un là-bas au bout. Non, mais rêve les plus fous, bien sûr. Ouais, c'est même pas l'angle de ma... de la con... vraiment pas de poisson. Ah, un petit, là. Hop. Donc voilà, là, il y en a deux maintenant. Là, je suis un peu à bioule du poisson. Ben voilà, hop, il s'intéresse plus vite à l'hameçon. Maintenant, ben, comme toujours, vous avez le risque ben, qu'il se casse une fois qu'il a mordu. Avec la canne à pêche d'argent, d'or, je pense que vous le capturez de façon assurée. Waouh, Vivano, ça va, je regrette pas d'avoir attendu 3000 clochettes d'un coup, pof. Avec la canne à pêche d'or, donc je pense que vous avez le poisson de façon sûre. Pour le filet papillon d'argent, vous avez un rayon de capture plus large en fait que l'ancien filet papillon, donc que le premier. Simplement, donc là aussi, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins précis lors de votre capture, ben, vous avez un peu plus de chances de le capturer. Et celui d'or, ben, c'est encore plus large au niveau du cercle de capture, voilà. Donc voilà. La pelle, je ne sais pas vraiment dire, en sachant que la pelle sert principalement pour taper dans les pierres et creuser des fossiles. Je dirais que peut-être qu'au niveau des pierres, vous avez peut-être plus de gains peut-être au niveau des clochettes ou enfin voilà. Si je me trompe là aussi, dites-le moi, n'hésitez pas. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre comme astuce. Oui, pour bronzer. Oh purée, on me l'a demandé mais trois fois par messagerie. Ou non, j'en ai vraiment eu marre. Pour bronzer, ben je sais pas. Pour bronzer, non, moi je vais vous dire comment j'ai fait. Ben j'ai bêtement eu un petit accessoire bêtement comme ça, comme j'ai là. J'ai l'épingle cœur. Je mets toujours des petits accessoires comme ça. Je mets jamais des casquettes, des bonnets, et compagnie. Et je me suis bêtement promenée dans ma ville. Tout simplement, ben voilà, je vis ma petite vie normalement. Je pêchais, enfin voilà quoi. Et j'ai bronzé au fil des jours. Donc vous commencez un petit peu à arroser. Enfin voilà. Ça, je sais pas sur combien de jours ça se passe, mais bon, vous devenez donc très noir. Là, j'ai éclairci d'un ton déjà. Hier, j'étais un peu plus noire, donc voilà, il vous suffit de regarder mes précédentes vidéos pour vous faire une idée sur la noirceur que j'avais. Attendez, je vais rentrer chez Risette, comme ça vous verrez à la lumière d'une maison ce que ça donne. Donc voilà, tais-toi. Voilà, là, je suis déjà un peu moins noire. Voilà. Là, je suis fort basanée, là, j'ai un bronzage pas qui là, voilà. Boum boum boum. Ben, ah oui, aussi un truc quand donc au fil du temps que votre ville évolue, que votre partie avance, que les jolies filles, donc votre arbre grandit. Et donc, au moment, vous savez vous asseoir dessus. Est-ce que je sais m'asseoir dessus? Oui! Et à ce moment-là, quand vous vous asseyez dessus... C'est la première fois que je m'assieds sur mon arbre, les mecs. Quand vous vous asseyez sur le rebord, vous avez le générique de votre ville qui défile. Je remercie Yux, ma petite chérie, pour cette astuce. Et donc, en fait, vous allez voir toutes les dates importantes de votre ville défiler. Regardez, là en dessous, ville de Sweety. Et donc là, vous allez avoir mer, jeudi, truc machin, jeudi, enfin voilà. Pour stopper, vous descendez du truc bêtement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
pour les fruits parfaits. Comment avoir des fruits parfaits? En échangeant. Vous n'êtes pas l'abruti comme moi en vendant votre premier fruit parfait. Quand vous replantez un fruit parfait qui est le fruit de base de votre ville, il poussera parfait. Si ce n'est pas votre fruit de base, il ne poussera pas parfait, tout simplement. Ça sera un fruit normal. Comme moi, vous voyez, c'est la pêche qui est le fruit de base. J'ai plein de pêchers parfaits. Un truc aussi que j'ai entendu, mais que je sais pas si c'est vrai, mais bon, la personne, donc je crois que c'est Détoyau qui m'avait dit, si je me trompe pas, ou Alexia, je sais plus. Donc je sais plus, voilà, qui m'avait dit, mais je sais que c'est quelqu'un de confiance. Quand vous avez un nombre limité de fois où vous pouvez secouer votre arbre à fruits parfaits, au bout d'un moment, l'arbre il meurt en fait. Vous avez donc les feuilles tombent et l'arbre devient nu en fait, comme un arbre en hiver. Donc voilà, vous avez vraiment une limite. Donc moi, ce que je vais sûrement faire, je vais sûrement prendre un de mes fruits parfaits et le mettre dans mon petit parc au-dessus où j'ai un exemplaire de chaque fruit afin d'avoir quand même le fruit parfait de ma ville qui reste là. Et donc à ce moment-là, prendre mon fruit parfait et peut-être que j'en mette deux si juste pour le fun, pour ouvrir le parc. Enfin voilà, afin d'avoir une réserve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Allez, donne-moi à mon projet, toi. Oh non, désolée Lucie, je t'aime bien, mais... Oh, bon, ok. Je demande des réponses. Eh, Zarico, d'accord. C'est quoi cette question? Non, ça m'a surtout pris calculé de mon temps de ma vidéo, Camille, mais bon, c'est pas grave. Je pense que... Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi, la même astuce de secouer vos arbres. Bon, voilà, ça tombe bien. Donc, vous pouvez avoir des meubles et des... Donc, jusqu'à deux meubles qui tombent en faisant tous les arbres... voilà. Donc, de votre ville. Donc, deux meubles ainsi que, je crois, une dizaine de petites pièces de sanglochette. Ainsi que quatre... c'était trop... Quatre... ruches sont réparties dans les arbres non fruitiers. Voilà. Donc petits sapins, les autres arbres normaux, enfin voilà. Ah oui, tiens aussi, quand vous avez un habitant qui a déménagé, moi j'ai Gustave qui est parti, et si vous êtes dans une ville où il y a un habitant qui est sur le point de partir, vous pouvez lui demander de venir dans votre ville, et genre aux ambulances qui passent tout près, c'est pas grave. Par exemple, Selma, qui est ici, vient de Étoiline, donc qui est la ville de Yux. Je venais d'avoir Gertrude qui venait de partir et j'étais à Étoiline et elle m'a dit écoute, il y a Selma qui va partir, tu peux toujours lui parler, je crois qu'on se fait avoir chez nous, donc vous pouvez lui demander carrément de venir dans votre ville et l'inviter. Et donc elle est partie un peu plus tôt que prévu et donc voilà, elle est dans ma ville. Je pense que c'est tout. Donc si vous avez des questions, donc des choses que je n'ai pas abordées dans ce gameplay spécial astuces, vous posez vos questions sous la vidéo, mais pas sur Skyrock. Vous posez votre question sur YouTube. Si vous la posez sur Skyrock, j'y répondrai tout simplement pas. Voilà, c'est clair. Vous la posez par commentaire sous la vidéo sur YouTube et j'y répondrai. Avant de poster votre question, vérifiez qu'elle n'a déjà pas été posée, parce que si elle a été posée, je la supprimerai pour ne pas faire de doublon. Et pour celle qui n'a pas encore été posée, j'y répondrai tout simplement comme je peux. Donc voilà. Les petits choux, devant cette magnifique arche florale de rose et rouge que je voulais. Je vous fais à tous des gros gros bisous et encore merci pour votre fidélité. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. À bientôt!